Michel Gbagbo chez le président Bédié à Daoukrou. Le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, a accordé le samedi 29 mai 2021 une audience au député de Yopougon, Michel Gbagbo, à sa résidence de Daoukrou. À l'issue des échanges, Michel Gbagbo a expliqué le sens de sa visite à Daoukrou. Il s'agit d'une acte de reconnaissance. Il y a quelques mois, nous étions chez le président Bédié, lui confiant notre candidature aux élections à Yopougon. Ça a été couronné de succès et nous sommes donc venus lui dédier la victoire, remportée donc par la coalition EDS et PDC-IRDA dans la circonscription électorale de Yopougon. Évidemment, nous en avons profité pour lui souhaiter bon anniversaire, avec un peu de retard, mais bon anniversaire quand même. Mais je vous rassure, il est temps que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Et cela se fera, et n'ayez aucune crainte à ce sujet. Très bientôt, une annonce sera faite. La présélection Miss Côte d'Ivoire de la région de l'Ifou se tiendra le 19 juin 2021. Avant ce rendez-vous, le président du comité national de Miss Côte d'Ivoire de la région de l'Ifou, Jean-Baptiste Moké, accompagné des élus de 2020, a été reçu le samedi 29 mai à Daoukrou par le président Henri Konan Bédié. Je suis accompagné des élus 2020 de l'Ifou. Vous avez à ma droite Mademoiselle Marin, qui est la Miss Ifou 2020, et à ma gauche Mademoiselle Kessène, qui est la Miss la première Dauphine 2020. Nous sommes donc venus, comme d'habitude, à la veille de chaque présélection régionale, à la veille de chaque édition de Miss Côte d'Ivoire, recevoir donc l'audience du président Henri Konan Bédié pour lui témoigner notre gratitude et ensuite lui annoncer la tenue de la présélection régionale Miss Côte d'Ivoire pour le compte de la région de l'Ifou le samedi 19 juin 2021 à Daoukrou, chef lieu de région. Nous sommes aussi venus solliciter son patronage et il n'a mené aucune hésitation à nous accorder une fois encore de plus son haut patronage. Il vient donc de nous dire qu'il sera avec nous avant, pendant et après l'organisation de cette importante cérémonie. Cette importante cérémonie qui est placée cette année sous l'égide du ministère de la Réconciliation et qui a pour thème « Quelle contribution de la jeunesse face à la réconciliation nationale ?» Et donc l'édition 2021 de la région de l'Ifou va donc tourner autour de ce thème-là de réconciliation et nous aurons donc à apporter pour cette grande manifestation des actions qui vont dans le sens de la réconciliation. Et c'est ce que nous sommes donc venus porter comme message au président Henri Konan Bédié, message du président Victor Yapobi, président du comité national Miss Côte d'Ivoire, qui nous a donc mandaté de venir ce matin voir le président Henri Konan Bédié, qui est notre haut patron, qui est notre parrain spirituel, qui est notre mécène, qui n'a jamais cessé de nous appuyer pour la parfaite organisation de cette cérémonie au niveau régional. Élan de reconnaissance au président Henri Konan Bédié. C'est cela qu'a voulu traduire le samedi 29 mai 2021 le président de la coopérative Yewa Enyunu de Daoukrou, Amani Kwaku Bernard. Il a été reçu en audience par le président Bédié à sa résidence. La coopérative existe depuis 2015. Le président nous a toujours conseillé de bien faire la sensibilisation de nos parents producteurs et de leur inculquer l'esprit coopératif. Parce que toujours, c'est en étant unis qu'on est fort et on peut avancer. Et nous sommes venus lui dire beaucoup merci, parce qu'en son temps, il nous avait donné beaucoup de conseils pour une avancée harmonieuse de notre structure, la coopérative.